Ainda complementando a mensagem 1, a mensagem de hoje de manhã, completant le message 1 de ce matin, j'aimerais lire Éphésiens chapitre 3 pour vous montrer c'est quoi l'objectif du ministère de la Nouvelle Alliance. C'est pour exécuter l'œuvre qui est liée à la volonté de Dieu. Nous sommes ici pour effectuer la volonté de Dieu, mystère du Christ. Donc nous allons lire Éphésiens 3. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens. Verset 2. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est-à-dire l'économie de Dieu ou le plan de Dieu qui m'a été confié pour vous. Verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Donc, en résumé, verset 4, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Quel est ce mystère? C'est le mystère de la volonté de Dieu. Verset 5, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes du Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé. Prêtez attention de nouveau par l'efficacité de sa puissance. Dieu a une puissance emmagasinée. Si vous n'utilisez pas cette puissance, vous n'aurez pas une force qui opère, une force qui fait la volonté de Dieu. Verset 8, « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été donnée, a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère, c'est-à-dire l'économie qui est le plan du mystère, caché de tout le temps en Dieu qui a créé toutes choses. Pourquoi? Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église. Maintenant, les dominations et les autorités dans les lieux célestes qui sont en dessous de Christ, selon le plan infini établi par Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Verset 13, aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire, frère. C'est pour cela que nous sommes dans ce ministère de la Nouvelle Alliance afin d'accomplir ce que Dieu avait dans son mystère caché durant des siècles à travers les générations et qu'il a révélé aujourd'hui, mais il veut exécuter son plan. Il veut exécuter, il veut accomplir son économie à travers la force opérante de sa puissance. Et quel en est le résultat? C'est afin que la multiforme, la sagesse multiforme de Dieu à travers l'Église se fasse connaître aujourd'hui par les dominations dans les lieux célestes. Donc, frères et sœurs, nous sommes impliqués dans quelque chose de très grand, de très puissant. Alors, ne pensons pas petit, allons penser grand. Dieu va accomplir des grandes œuvres à travers nous et parmi nous. Nous, ce n'est pas par notre puissance, car nous n'avons aucune puissance, mais c'est par la puissance de Dieu. Mais nous devons utiliser
Nous devons faire en sorte que la force puisse opérer à travers cette puissance par le fait de prier pour des personnes, par le fait de mener à bon port, mener à bien ce ministère, et Dieu va opérer sa puissance à travers nous. Dans le message 2, a comme titre l'unique ligne ministérielle. La lecture biblique, c'est Actes 1, 8. Nous pouvons lire. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Cela a été dit aux apôtres. Ils étaient à Jérusalem. Donc, ce ministère, c'est pour la prédication de l'Évangile comme témoignage dans toute la Judée, en Samarie, Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Probablement, les apôtres juifs avaient une vision étroite, fermée, et se préoccupaient tout simplement de la restauration d'Israël. Mais en fait, Dieu voulait restaurer le royaume de Dieu. Donc, cet évangile ne se limitait pas uniquement aux Juifs. Dieu voulait que cet évangile soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, nous sommes impliqués dans ce ministère afin de prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre comme témoignage. Qui ici est prêt pour cela? Je suis prêt à cela. Je donne ma vie pour cela. C'est ça le ministère de la Nouvelle Alliance et qui incombe à chacun de nous. Verset 17. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Ça, c'est en relation à Judas Iscariote qui a trahi Jésus et qui s'est pendu. Il a donc laissé une place ouverte dans ce ministère. Verset 25. Afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Il tirait au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Donc Matthias a rempli, il a pris la place qui était laissée vide par Judas Iscariote. Donc de 11, ils sont redevenus 12 apôtres. Comme je l'ai dit ce matin, le ministère terrestre de Jésus qui est enregistré dans Luc chapitre 3, vous pouvez ouvrir la Bible de nouveau. Luc 3, 23 à 25. Il dit que lorsque Jésus a été baptisé, le ciel s'est ouvert et un esprit est devenu sur, l'esprit est descendu sur lui sous forme de colombe. Une voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc Dieu était en train de donner le témoignage devant les Juifs, devant le monde entier, que Jésus était loin de Dieu. Il était le Christ, il était le Messie qui devait venir. Malheureusement, les Juifs ne l'ont pas compris de cette oreille. Et avec la descente de l'Esprit Saint, Jésus a été oint
pour commencer son ministère. Jésus était le Verbe qui était avec Dieu. Ouvrons notre Bible en Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La vie était en lui, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas, ne l'ont point reçu. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc Jésus était l'instrument du Père, afin que, ici sur terre, qu'il fasse la volonté de Dieu. C'est ça le ministère. Dieu veut nous utiliser comme instrument pour accomplir son œuvre. Dans Jean 5, verset 17, lorsque les Juifs ont commencé à persécuter Jésus, car il a accompli une guérison un jour de samedi, de sabbat, et le sabbat n'était pas un jour adéquat pour qu'un homme puisse travailler. Alors, verset 16, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur dit, « Mon Père agit jusqu'à présent. » Moi aussi, j'agis. Frères, nous ne sommes pas restreints par la loi des hommes. Nous travaillons lorsque Dieu travaille. Lorsque Dieu travaille, il nous utilise comme instrument pour travailler. Donc nous n'avons pas notre propre volonté. Lorsque Dieu se meut à travers nous comme instrument, il doit se mouvoir. Si Dieu veut que vous soyez utilisé comme un instrument, si quelqu'un vient, est-ce que je peux prier pour vous, pour toi, vous n'allez pas, pour moi, vous n'allez pas dire non. Vous n'avez aucune liberté de dire non, car vous êtes un instrument afin que Dieu accomplisse son œuvre. Alors, si vous êtes disposé à faire partie de ce ministère de la Nouvelle Alliance, alors nous devons totalement nous remettre à Dieu afin qu'il fasse sa volonté. Lorsqu'il œuvre, nous œuvrons aussi. Nous ne pouvons pas travailler sans que lui ne travaille. Donc, c'est quand Dieu travaille que je travaille. Verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Alors, le Fils était l'envoyé de Dieu afin de faire, d'accomplir la volonté de Dieu. C'était cela son ministère. Le ministère de Jésus ici sur terre consistait à accomplir ce que le Père voulait qu'il fasse. Et c'est pareil aujourd'hui avec nous. Nous avons le ministère de la Nouvelle Alliance. Nous accomplissons ce que Dieu veut accomplir à travers nous. Et nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Ce ministère, c'est le ministère de l'Esprit, c'est le ministère qui donne la vie, c'est le ministère, ce ministère n'est pas humain. Nous sommes des canaux à travers lesquels Dieu
accompli son œuvre. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends. Je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et pareillement, nous cherchons à être fidèles au Seigneur comme Jésus l'a été, mais nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes lorsque nous écoutons la parole de Dieu que nous pratiquons. La parole prophétique, c'est notre référence. La parole prophétique nous donne une direction. Lorsque nous faisons les choses selon la parole prophétique, étant obéissants, alors Dieu bénit, car c'est Dieu qui accomplit. Donc, nous ne recherchons pas notre propre volonté. Je veux faire ceci, je veux faire cela. Non, je n'ai pas ma propre volonté. Frère, soyez simple. Écoutez la parole, soyez obéissants à la parole, et le Seigneur va faire sa volonté. Et Dieu lui-même a témoigné de ce que Jésus était un envoyé de Dieu, parce que les Juifs doutaient que Jésus était le Christ, le Messie envoyé de la part de Dieu. Alors Jésus, dans Jean 5, utilise toutes sortes de manières pour leur prouver que Jésus a été envoyé par Dieu. Mais ils ne croyaient pas cela. Alors, frères, Jésus à la fin dit, aucun homme ne peut témoigner de moi, d'un témoignage de moi que je suis le Messie envoyé de la part de Dieu, car Dieu lui-même, c'est lui qui témoigne de moi. Verset 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Frères et sœurs, comment prouver que quelqu'un est un envoyé de Dieu? C'est lorsque cette personne accomplit l'œuvre de Dieu, lorsqu'elle accomplit l'œuvre que Dieu lui a confiée d'accomplir, et lorsqu'il réalise cette œuvre, en fait, c'est Dieu qui réalise cette œuvre à travers cette personne. C'est Dieu qui témoigne de ce que cette personne est un envoyé de Dieu. Et cela est en train de se passer parmi nos frères. Par exemple, nous avons parlé du colportage dynamique. Nous avons commencé à publier cela. Et les frères, les colporteurs sont sortis pour avoir cette expérience. Et après, c'était les frères des églises qui voulaient aussi avoir cette expérience. Et nous voyons combien, quelle grande expérience que ces frères ont connue. En ayant l'expérience de la puissance de Dieu à travers leurs prières, lorsqu'ils priaient pour les personnes, lorsqu'ils donnaient des livres aux personnes, ces livres qui ont le contenu de l'Évangile du Royaume, il y avait des miracles qui se passaient et les signaux se suivaient. Cela prouve, frères et sœurs, que nous sommes des envoyés de Dieu afin d'accomplir l'œuvre de Dieu, afin d'accomplir le ministère de la Nouvelle Alliance. Vous comprenez cela? Marc 16, les deux derniers versets. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Nous avons déjà parlé de cela ce matin en utilisant Éphésiens chapitre 1, verset 17, 20-21. Jésus,
après que Dieu l'ait ressuscité, avec la suprême grandeur de sa puissance, il n'a pas tout simplement ressuscité, il l'a élevé à la droite de Dieu dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, puissance et de nom qui peut être invoqué sur cette terre, dans ce siècle et dans le prochain à venir. Alléluia. Donc notre Seigneur est à la droite de Dieu. Il est là en haut, au-dessus de toute puissance, domination. Il est en haut. C'est pour cela que les démons tremblent lorsqu'ils écoutent le nom du Seigneur Jésus. Les anges déchus. Et n'ont aucun courage d'aller contre ce nom car c'est au-dessus d'eux. Donc, parlant un tout petit peu de la physique, est-ce que vous saviez que plus haut, vous mettez quelque chose plus haut, son énergie potentielle est plus grande. L'énergie potentielle c'est un corps qui a une certaine hauteur d'une superficie. Et lorsque je soulève cette bouteille au-dessus de la table à un mètre à peu près, donc son énergie potentielle de cette bouteille d'eau, c'est son poids multiplié par l'accélération de la gravité et de l'altitude. Donc, c'est ça l'énergie potentielle. Donc, plus haut et plus la masse est grande, alors ce corps aura une énergie potentielle plus grande. Ça veut dire que ce corps a toute cette puissance afin d'accomplir le travail. Donc, si je laisse tomber, il va décharger son énergie potentielle. Donc, Dieu se trouve dans les hauteurs, dans les altitudes, troisième ciel. Son énergie potentielle, c'est une énergie maximale. Alors, il a élevé Jésus là-haut. Jésus est la connexion avec les hommes et Dieu. Donc, cette énergie potentielle que Dieu a, Jésus là aussi. Et nous, hommes, nous avons accès à cette énergie potentielle à travers Jésus. Et il n'y a pas que cela. Aujourd'hui, Jésus est devenu l'esprit de la vérité. Il est devenu l'esprit qui donne la vie. Donc cette énergie potentielle, toute cette énergie est en même temps à l'intérieur de moi. Vous avez l'esprit qui est à l'intérieur de vous et qui est en même temps là-haut. Cet esprit, il y a une énergie potentielle dans votre esprit qui est gigantesque. Il vous suffit d'y accéder. Allumez l'interrupteur et le ventilateur va fonctionner. Allumez l'interrupteur et la lampe va fonctionner. Tous les appareils vont fonctionner. Utilisez l'interrupteur, votre esprit sera allumé. Vous allez utiliser toute l'énergie potentielle de Dieu qui est l'énergie maximale de cet univers. Marc 16. D'un côté, Jésus s'est assis à la droite de Dieu, mais le verset 20 montre que nous sommes liés, c'est-à-dire l'Église est liée à Jésus. Donc nous pouvons nous connecter afin d'avoir accès à toute cette puissance. Verset 20, et ils s'en allèrent prêcher partout. Frères, il devait utiliser toute cette énergie-là, parce que s'il n'avait pas utilisé cette énergie, elle reste bloquée et à l'arrêt. Si vous n'utilisez pas la puissance de Dieu, elle reste à l'arrêt. Vous devez utiliser cette énergie.
Je vois tout le monde sortir d'Estancia Árvore da Vida lorsque vous allez rentrer chez vous. Je crois que toutes les stations-service où vous allez vous arrêter pour mettre l'essence, tous les postes de péage que vous allez traverser, tous les endroits où vous allez vous arrêter pour manger quelque chose, j'espère que tous là-bas vont recevoir la puissance, la force de cette puissance. Donc, à votre retour, vous allez dire, est-ce que je peux prier pour vous? Vous pouvez consoler une personne, vous pouvez consoler une personne, vous pouvez changer la vie des personnes. Vous pouvez amener les personnes à se trouver au centre de la volonté de Dieu et avoir le même ministère de la Nouvelle Alliance que vous avez. Vous croyez en cela? Si nous n'utilisons pas, l'énergie potentielle reste là. Nous devons l'utiliser. Utilisez à volonté. Et cette puissance jamais n'a dans des fins. Elle ne s'arrête pas. Alors, allons l'utiliser. Alors, il s'en allait prêcher partout. Nous devons sortir dans la rue. Nous devons sortir dans la rue. Et s'en allait prêcher partout. Prêcher partout. Là, sur les autoroutes de Bandeirantes, autoroute d'Anguera, autoroute Castelo Branco, ou encore, où? Partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Donc, le même Seigneur qui est à la droite de Dieu, coopère, travaille avec son Église lorsqu'on utilise la puissance de Dieu et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Frères, quelles choses merveilleuses qui sont en train de se passer au milieu de nous. À travers les prières, à travers le colportage dynamique, frères, chaque jour, sont des multitudes de personnes qui reçoivent, c'est à travers la prière, ils reçoivent la visite du Seigneur. Des personnes désespérées par la vie ont rencontré le Seigneur. Des personnes qui étaient prêtes à se suicider parce qu'elles n'avaient plus espoir et ne voyaient plus aucun sens à la vie ont été sauvées ce jour-là. Combien de personnes avaient les problèmes de mariage et les problèmes de famille et à travers une prière simple, il y a eu un signal. Ils sont réconciliés avec leur conjoint. Il paraît que c'est une blague. Même des personnes qui n'avaient pas de travail, des chômeurs, après la prière, quelques temps après, leur téléphone sonne et quelqu'un qui appelle et pour leur proposer du travail. Il y a beaucoup de choses de ce genre qui se passent. Et des choses encore plus grandes que je ne peux pas raconter ici. Aujourd'hui, dans la salle de communion, nous avons écouté des choses surprenantes, merveilleuses, grandioses, qui se passent au milieu de nous. Frère, le Seigneur a la puissance. Et cette puissance ne vient pas de nous, ça vient de lui. Alors, frères, nous sommes tout simplement des canaux, des voies, comme aussi Jésus était tout simplement un canal. Et aujourd'hui, dans l'Église, nous agissons de la même manière que Jésus. Oh, Seigneur Jésus, amen. Et ce même ministère que Jésus a accompli, mourant sur la croix, accomplissant la rédemption pour nous. Alors, Dieu a utilisé cette base de la justice pour nous justifier. Et Dieu nous a formés, nous a constitués comme son Église. Afin de nous remettre le ministère de la Nouvelle Alliance, afin d'accomplir ce que Dieu veut accomplir sur cette terre, non seulement à travers Jésus directement, mais aujourd'hui à travers son Église. Alors, de la même manière, son Église avait besoin que
du haut, du très haut, descende la puissance. Car sans la puissance de Dieu, nous ne pouvons rien accomplir. Nous n'avons aucune capacité pour cela. Nous n'avons aucune puissance pour cela. Ne croyez pas que vous êtes si intelligent et que vous connaissez beaucoup de techniques, beaucoup de manières. Non, nous n'avons aucune possibilité de faire, d'accomplir l'œuvre de Dieu. Mais nous pouvons attendre que de là-haut nous soyons revêtis de la puissance de l'Esprit-Saint. Alors, ils sont restés à Jérusalem, priant, et ce jour-là, c'était le jour de Pentecôte, chapitre 2 de Actes des Apôtres, comme il est dit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, verset 2, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Frères et sœurs, lorsque l'Esprit Saint veut que nous accomplissions l'œuvre de Dieu selon le ministère de la Nouvelle Alliance, il doit nous donner de la puissance. Et pour nous donner de la puissance, il envoie l'Esprit Saint qui se déverse sur nous. Et lorsque nous croyons au Seigneur Jésus, est-ce que vous croyez, lorsque vous avez été baptisé, lorsque vous avez cru et que vous avez été baptisé par l'Esprit Saint? Qui ici a cru et a été baptisé par l'Esprit Saint? Alors, la première caractéristique de ce que vous avez été baptisé par l'Esprit Saint, c'est que l'Esprit Saint a ouvert votre bouche. Il a ouvert votre... Il a touché votre langue. Et aujourd'hui, vous pouvez dire, « Oh, Seigneur Jésus! » Votre langue a été détachée, a été libérée. Non seulement vous invoquez le nom du Seigneur, mais votre langue a été déliée afin que vous apportiez l'Évangile à d'autres personnes. Votre langue a été déliée afin que vous priez aussi pour les autres. Qui ici n'a pas encore le courage? Soyez sincères, qui ici n'a pas encore le courage d'aller vers quelqu'un dans la rue, aller vers quelqu'un et lui demander, est-ce que je peux prier pour vous? N'ayez pas honte, mais ne levez pas la main non plus. On avait cette honte, cet empêchement. Moi, j'avais cela. Et j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, que dois-je faire? Alors, Seigneur m'a montré, laisse échapper de ta bouche cette phrase. Est-ce que je peux prier pour vous? Laissez échapper cela. Lorsque vous parlez, vous ne pouvez plus le retirer. Lorsque vous approchez d'une personne et vous dites, est-ce que je peux prier pour vous? Vous allez dire, ah, j'ai dit cela. Et la personne va vous répondre, oui, vous pouvez prier pour moi. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Priez. Car l'Esprit Saint a déjà ouvert votre bouche. Ah, je ne sais pas faire cela. Essayez et vous verrez si vous ne savez pas faire cela. Allez quelque part et laissez échapper cette phrase. Est-ce que je peux prier pour vous? Vous n'allez pas vous en repentir. Vous allez expérimenter la puissance de l'Esprit, changeant les vies de ces personnes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont commencé à parler? Quelle langue ils ont commencé à parler? Il y avait les Juifs qui venaient de toutes les parties de la terre, de toutes les nations. C'est comme ici, par exemple, il y a les gens qui viennent d'Afrique, d'Europe, de l'Allemagne, de la France, de l'Espagne, de la Suisse.
gens qui viennent du Canada, des États-Unis, de l'Asie, de tout lieu, et subitement, chacun commence à écouter ses disciples qui prêchaient dans leur propre langue, parlant des merveilles de l'Évangile dans leur propre langue. Le jour que Soares va commencer à parler fluemment, d'une manière fluente, courante l'anglais, alors je veux croire que l'Esprit Saint est sur lui. Alors ils étaient étonnés, perplexes. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais il y avait d'autres qui s'en moquaient. Alors, frères et sœurs, il s'est passé une chose pour la première fois sous la direction de l'apôtre Pierre, chapitre 2, verset 14, de Acte. Alors, Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix. Donc, Pierre a eu l'hardiesse de prendre les devants. Dieu voulait cela. Dieu lui a donné cette charge de prendre le devant des 12 apôtres. Alors, Pierre se lève devant les onze, éleva la voix et leur parlant ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. » Ce qui s'est passé, avait déjà été prophétisé par Joël dans l'Ancien Testament. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je les ferai paraître des prodiges. Et cela va jusqu'au verset 22. Frère, quelle merveille! Le verset 22 établit un principe merveilleux que nous devons suivre afin d'accomplir notre ministère. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, comment Dieu l'a-t-il approuvé devant les Juifs, Jésus de Nazareth? Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par quoi? Par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même. Frère, c'est le même principe. Vous n'avez pas besoin d'être fort. Vous n'avez pas besoin d'être puissant. Dieu est puissant. Dieu lui-même opère à travers vous. Car cette œuvre est de Dieu. Ce ministère de la Nouvelle Alliance est de Dieu. Et Dieu nous a chargés de l'accomplir. Donc, frère, les miracles, les prodiges et les signes, pour les accomplir, vous n'avez pas besoin de force. C'est Dieu lui-même. Et Dieu veut le faire. Il a intérêt à le faire. Les Juifs voulaient voir les signes pour être sûrs que Dieu était au milieu de cela. Mais nous, c'est le contraire. Les Juifs cherchent les signes pour voir Dieu. Mais nous, par la foi, nous obéissons à la parole. Et les signes viennent après, les miracles viennent après. Vous comprenez cela, frère? Nous ne voyons pas d'abord pour croire. Nous croyons d'abord et après nous voyons. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas ici à cause des signes ou des miracles. Mais nous marchons ici par la foi. Alors, si cette foi vient de Dieu et que l'œuvre que nous accomplissons
est le ministère de la Nouvelle Alliance. Alors, frères et sœurs, Dieu lui-même accomplit son œuvre à travers nous. Alors, c'est après que les signes, les prodiges, les miracles nous suivront. Nous n'avons pas besoin de rechercher cela. Nous ne recherchons pas cela. Mais ces choses suivent parce que cette œuvre est de Dieu. Donc, cet homme livré selon le dessein, arrêtez donc. Regardez un peu la hardiesse, le zèle de l'apôtre Pierre. Quand on a étudié Actes, on a vu comment Paul était zélé. Il n'avait pas peur, il parlait directement. Mais Pierre avait le même esprit. Car il a reçu la puissance de l'Esprit, il était rempli de l'Esprit Saint. Donc, frères, vous et moi, si nous voulons accomplir l'œuvre de Dieu, si nous voulons accomplir le ministère de la Nouvelle Alliance qui nous a été chargé, nous devons être pleins de l'Esprit Saint. Quel est le secret du succès des colporteurs dynamiques? Quel est leur secret? Est-ce que c'est la technique? C'est la technique de vente? La technique d'abordage? Non. C'est être plein de l'Esprit Saint. Vous êtes d'accord avec moi ou non? Vous qui avez déjà pratiqué le colportage dynamique, qui ici a déjà pratiqué le colportage dynamique? Est-ce que vous réussissez à faire cela sans être rempli de l'Esprit Saint? C'est l'Esprit qui accomplit l'œuvre. C'est l'Esprit qui ouvre le cœur des personnes. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par les mains des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Frères et sœurs, Pierre a prêché avec tout le zèle. Aujourd'hui, nous devons aussi prêcher avec zèle. N'ayez pas peur, n'ayez peur de rien. Car ce que nous prêchons, c'est ce que nous vivons. Nous rendons témoignage de ce que nous prêchons, n'est-ce pas? Alors, verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur Jésus, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Oh frère, que ferons-nous? » Verset 41, ceux qui acceptèrent cette parole furent baptisés. Vous voyez, dans ce jour-là, il y a eu un ajout de presque 3000 âmes. Il y avait 120 Galiléens qui priaient et qui attendaient à recevoir du haut, de là-haut, la puissance. Et après la Pentecôte, l'église de Jérusalem avait déjà plus de 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Frères et sœurs, est-ce que cet esprit-là a changé? Est-ce que cette puissance a changé? Est-ce que de nos jours, cela n'existe plus? Frères et sœurs, le Seigneur, de la même manière, il va faire de grandes choses à travers nous. Croyez en ce que je suis en train de vous dire. Il suffit d'être disposé. Cette puissance, cette énergie potentielle est à notre disposition. Chapitre 3 de Actes. Il s'est passé un grand miracle. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on apportait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Prêtez bien attention, c'était un infirme de naissance, un boiteux. C'est quoi un boiteux de naissance?
C'est quelqu'un qui jamais n'a marché. Et savez-vous quel âge cet homme avait? Il avait plus de 40 ans. Alors donc, durant 40 ans, cet homme n'avait jamais marché. Alors, comment cela est-il possible? Je pense qu'un médecin ou un biologiste peut m'expliquer. Est-ce que c'est possible que cet homme puisse avoir la possibilité de marcher? Peut-être qu'il va faire beaucoup de sessions de massage, de kinésithérapie, pour qu'il, peut-être qu'il peut guérir. Mais ce jour-là, il s'est passé un miracle. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda le monde. Pierre et le frère Jean fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Lorsque vous priez, demandez à quelqu'un de prier pour vous, demandez, « Regarde-moi. » Et il est regardé attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Alors Pierre leur dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Au nom de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Impossible du point de vue humain. Ses chevilles, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et d'un saut, il fut debout. Il ne s'est pas levé doucement, mais d'un saut. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Un boiteux qui n'a jamais marché de sa vie a eu ses pieds fermes, les pieds et sa cheville. Et il est entré avec Pierre et Jean dans le temple en sautant et en marchant, frères et sœurs. Ça, c'est un miracle que seul Dieu peut accomplir. Ça, c'est l'énergie potentielle que seul Dieu a afin d'accomplir cette œuvre. Personne ne pouvait nier le fait que c'est Dieu qui l'a guéri. Même les Juifs les plus incroyants, les plus grands opposants à Jésus ne pouvaient nier cela. Oh Seigneur Jésus. Verset 10, il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander de l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple, étonné, accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Frères et sœurs, la puissance ne vient pas de nous. Jamais n'usurpez les droits d'auteur de l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui fait les choses. Ne dites jamais, j'ai prêché l'évangile et cette ville a été gagnée à cause de moi. Non, si Dieu ne veut pas, vous ne pourrez rien faire. Ce n'est pas par la puissance de Jean ni de Pierre, ni par leur piété, que cet homme a été guéri. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Pilate avait décidé de relâcher Jésus. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Ils ont donc libéré le meurtrier, ils ont tué Jésus. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Les 12 apôtres peuvent dire cela. Ils étaient des témoins.
C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et reconnaissez. C'est la foi en lui qui a été donnée à cet homme, cette entière guérison en présence de vous tous. C'est au nom de Jésus de Nazareth, au nom de ce Jésus que cet homme a été guéri. Donc, frère, ce nom est puissant. Ne sous-estimez pas le nom de Jésus. Si quelqu'un veut être sauvé, il ne s'agit pas tout simplement de s'écrier à Dieu, « Dieu, sauve-moi ». Le salut est dans le nom de Jésus. Ce boiteux a été guéri au nom de Jésus. Car au nom de Jésus, le nom de Jésus est devenu une pierre d'achoppement des Juifs, une roche de scandale pour les Juifs. Donc, les autorités ne voulaient pas entendre que les choses étaient faites par le nom de Jésus. Alors, que s'est-il passé? Chapitre 4. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, suivant les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux. Frères, les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. Ils les mirent main sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Donc, Pierre et Jean ont été faits prisonniers. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'élevèrent à environ 5 000. Donc, maintenant, 5 000 vivant la vie d'Église à Jérusalem. Regardez ce que ce nom peut faire. Regardez ce que la puissance de Dieu peut faire. Est-ce que Dieu ne peut pas faire encore cela aujourd'hui? Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs, c'est-à-dire toutes les autorités suprêmes des Juifs. Non seulement les autorités ecclésiastiques, les autorités religieuses, mais ils étaient en même temps représentaient l'autorité civile aussi du peuple. Ils firent placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandaient par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, frère, rappelez-vous de cela. Pour accomplir le ministère de la Nouvelle Alliance, vous devez être rempli de l'Esprit Saint. Exercez votre esprit. À chaque instant, exercez votre esprit. Exercez votre esprit en invoquant le Seigneur. Exercez en ayant la communion avec le Seigneur. Exercez, frère, en parlant, en conversant avec le Seigneur, en ayant l'intimité avec le Seigneur, étant guidé par l'Esprit. Soyez simple, tout le temps rempli de l'Esprit Saint. Alors, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. Quoi? Ils ne voulaient pas écouter ce nom, mais Paul est têtu. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Vous ne voulez pas entendre parler de ce nom? Je vais insister. C'est par le nom de ce Jésus que cet homme a été guéri. Ce Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre,
car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas de salut en un autre nom qui ne soit le nom du Seigneur Jésus. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ah, vous êtes différent maintenant parce que vous avez été avec Jésus. Un homme qui réellement a été avec Jésus devient différent. C'est pour cela que ne laissez pas les gens vous mépriser de ce que vous étiez illettré et acculturé auparavant. Aujourd'hui, vous êtes différent. Vous avez été avec Jésus. Vous êtes témoin de ce Jésus. Vous êtes un de ceux qui invoquent Jésus. Vous avez la puissance de Dieu au nom de Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux, l'homme qui a été guéri, il n'avait rien à répliquer. Ces autorités ne voulaient rien entendre de Jésus. Mais ce boiteux qui était connu de tous, tout le monde savait qu'il était un boiteux de naissance de plus de 40 ans. Il ne pouvait pas renier le fait que Dieu a accompli la guérison. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibéraient entre eux de ce qu'ils allaient faire d'eux. C'était une pierre dans leurs chaussures. Donc, disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Alors, s'ils arrêtent de parler de Jésus, alors tout serait tranquille. Est-ce qu'ils ont accepté cela? Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Nous ne pouvons pas arrêter de parler de ce que nous avons vu et entendu. Et leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Alors la preuve qu'il avait plus de 40 ans, la preuve c'est que, car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Oh Seigneur Jésus! Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Donc ils sont allés, ils ont loué le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas parler du cas d'Ananias, ni le cas de Saphira, d'Ananias et Saphira. Je vais parler du chapitre 5, 17. Chapitre 5, verset 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec eux, le chapitre 5, Je vais lire à partir du verset 12. Je voulais économiser le temps, mais verset 12, allons-y. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Aucun des autres apôtres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement.
Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait des malades. Donc Dieu est capable de faire cela. En sorte qu'on apportait des malades dans les rues et qu'on les plaçait dans des lits et des couchettes afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Et aujourd'hui, vous pouvez guérir aussi. Est-ce que je peux prier pour vous? C'est la guérison que vous apportez aux personnes. Vous apportez la guérison physique, psychologique, n'est-ce pas? Nous tous, frères et sœurs, nous pouvons faire cela. Dans verset 17, « Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Une fois de plus, ils ont été faits prisonniers. Les apôtres ont été pris aussi cette fois-ci. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Dites au peuple, allez et dites au peuple, parlez au peuple, annoncez toutes les paroles de cette vie. Frères et sœurs, dans ce ministère de la Nouvelle Alliance, l'ange du Seigneur va parler avec vous aussi. Et il va dire, allez, allez, allez et dites au peuple, annoncez toutes les paroles de cette vie. Et entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec eux étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Ici, toutes les autorités suprêmes de la nation d'Israël, les gardes sont allés à la prison et ne les ont pas point trouvés car personne ne savait comment ils étaient sortis. Car c'était un ange qui en a fait sortir. N'ayez pas peur, car le Seigneur peut faire la même chose avec vous aussi. OK? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 27. Après qu'ils eurent les amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme? » Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ils sont arrivés à la limite de leur tolérance, c'est-à-dire des autorités juives. Ils en avaient marre. Vous en êtes rendu compte ou non? Ils ont essayé de plusieurs manières pour empêcher les apôtres de parler au nom de Jésus, mais sans succès. Ils les ont fait prisonner deux fois et ils n'ont pas arrêté. Verset 33, furieux de ces paroles, ils voulaient les faire mourir. Donc à partir de maintenant, ils ont donc eu l'intention de tuer, seulement en les tuer, qu'ils allaient donc réussir à les faire taire. Frères, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps. Car Dieu est avec nous. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Le Seigneur est avec vous.
Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Donc faites attention, prêtez attention pardon, à ce qu'il va dire. Puis leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Verset 36. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu Dieu, contre Dieu. Il les rangea à son côté et appelé les apôtres. Il les fit battre de verges et leur défendit de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Frère, le problème était de parler au nom de Jésus. S'ils remplaçaient le nom de Jésus en parlant du nom de Dieu, il n'y aurait pas de problème, frère. C'est pour cela que nous insistons à parler au nom de Jésus. C'est le nom que Dieu a donné aux hommes par lequel l'homme a le salut. Les apôtres se retiraient de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils ne cessèrent pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, le Christ. Mais ils étaient à bout de force. Alors, au chapitre 6, à cause des problèmes de service de la nourriture, il y a eu des disputes. Et les douze ont convoqué les disciples pour établir le service des diacres, afin qu'ils puissent servir aux tables et que les apôtres puissent s'occuper du ministère de la parole et de la prière. Alors, frères, ce ministère de la Nouvelle Alliance, l'œuvre principale de ce ministère, c'est le ministère de la parole et de la prière. Il n'y a pas un service qui soit plus important, car c'est ce ministère qui fait en sorte que Dieu puisse accomplir son œuvre. C'est le ministère de la parole prophétique et de la prière. Nous devons beaucoup prier. Alors, chapitre 6, verset 8. Donc, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils subornèrent des hommes et dirent, « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils émurent le peuple et les anciens scribes et se jetèrent sur lui et le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Étienne a été amené au Sanhédrin. On l'a interrogé et Étienne a fait une défense merveilleuse au chapitre 7 de Actes des Apôtres, un récit très clair. Et à la fin de son récit, lorsque Étienne a utilisé les paroles dures, verset 51, homme au courage incirconcis de cœur et d'oreilles, vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi, lequel des prophètes vos pères n'ont pas persécuté. Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers, vous qui avez reçu la loi et les commandements d'anges et qui ne l'avez point gardé. Donc, ils en avaient marre avec lui. Écoutant cela, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit,
et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Frère, cet homme n'était plus ici sur cette terre. Il était déjà lié au ciel dans une autre dimension. Ils poussèrent alors de grands cris. Il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Verset 57, « Ils poussèrent alors de grands cris et se bouchant les oreilles et se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. » Saul était un de ceux qui étaient fidèles aux traditions de ses pères. Puis, ils lapidèrent Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne les impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Et Paul consentit à sa mort. Il a approuvé la mort. Paul, frère, c'était quelque chose de très fort pour les frères à Jérusalem. Une église qui prospérait, qui prêchait l'Évangile, prêchait Jésus avec zèle. Et la puissance de Dieu s'opérait sur eux, à travers eux, afin que plus de personnes soient sauvées. Et subitement, ils sont arrivés à la limite de la tolérance des autorités du peuple et aussi de la religion juive. Et à partir de ce moment-là, au chapitre 8, il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Donc, les apôtres sont restés pour maintenir une persécution à Jérusalem, car la persécution était forte. Et prêtez bien attention, verset 3, Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons et en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Alors, lisant cela, ne pensez pas que c'est quelque chose de si simple. Paul n'était pas si jeune que cela, comme quelques-uns pensent. Il y en a qui pensaient qu'il était adolescent, c'est pour cela qu'il ne pouvait pas lapider. Non, Saul, il avait déjà l'autorité policière. Il pouvait entrer dans la maison des croyants, des chrétiens. Il entrait, il ravageait, il arrachait les hommes et femmes et les jetait en prison. Imaginez, vous êtes dans votre maison et subitement quelqu'un entre, une personne comme Saul entre et par le zèle, guidé par le zèle de la tradition juive, entre et arrache votre femme, votre enfant, il vous arrache pour vous jeter en prison. Imaginez, cela s'est passé dans toute la ville de Jérusalem. C'était de la terreur. La terreur était grande. Le peuple a tellement souffert. Alors, frères et sœurs, à partir de ce moment, il y a quelque chose qui a changé. Alors, il est apparu quelques-uns parmi des frères de Jérusalem. Peut-être que Pierre a été tellement radical qu'il s'est opposé d'une manière féroce aux autorités. Il aurait pu être un tout petit peu flexible, sans être tellement autoritaire, tellement dû par rapport aux autorités. Il pouvait changer le nom et ne plus parler du nom de Jésus. Il pouvait tolérer un tout petit peu. Les Juifs qui pratiquaient encore la circoncision et gardaient la loi de Moïse. Donc, à partir de cela, il y a un homme qui s'appelle Jacques qui a commencé à se lever, à avoir plus de force. Ce Jacques n'est pas un frère de Jean, c'est plutôt, il n'était même pas apôtre, c'était un frère de Jésus.
Mais c'était un homme pieux, un homme très respecté par le peuple de Jérusalem. Et probablement, celui-là était plus flexible. Et peut-être qu'il tolérait ceux qui pratiquaient la circoncision et la loi de Moïse. Et faisant un lien entre la foi en Christ et le judaïsme. Donc, à partir de là, Jacques a eu plus de force et Pierre a perdu la direction. Pourquoi est-ce que je dis cela? Comment vous expliquez cela? Lorsque nous arrivons au chapitre 15 de Actes des Apôtres, lorsque Paul et Barnabas vont discuter justement à propos du fait que certains sortent de Jérusalem pour prêcher dans les églises de Jérusalem en leur disant qu'il était nécessaire de pratiquer la circoncision pour être sauvés. Et Paul et Barnabas sont allés à Jérusalem pour traiter de ce sujet. Le salut ne vient pas de la pratique de la loi. Car par l'œuvre de la loi, personne n'est justifié. L'homme est justifié par la foi. Et ce point est essentiel, frères et sœurs, dans le ministère de la Nouvelle Alliance. Nous ne pouvons pas céder à cela. Mais à cause de cette pression, toute cette pression, Paul et Barnabas sont allés, il y a eu un concile à Jérusalem. Vous pouvez jeter un coup d'œil au chapitre 15 des Actes des Apôtres. Verset 1 dit ceci, « Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Alors, Paul et Barnabas ne pouvaient pas admettre cela. Ils sont donc allés à Jérusalem. Verset 4, arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu a fait avec eux. Alors, regardez le verset 5. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Alors, à Jérusalem, la foi a commencé à changer de forme. Ce n'est plus le ministère de la Nouvelle Alliance. Le ministère de la Nouvelle Alliance ne peut pas admettre un tel mélange. La foi est la foi et la loi est la loi, n'est-ce pas? Alors, à la fin, Paul et Barnabas ont donné un témoignage, ils ont aimé et Pierre a donné un témoignage, mais la personne qui a donné la dernière parole, c'était Jacques. Vous vous rendez compte donc que Pierre n'avait plus cette force de direction d'être un leader. C'était donc Jacques qui était le leader à Jérusalem en ce moment-là. Et arrivé dans le chapitre 21, lors du troisième voyage de Paul, lorsqu'il arrive à Jérusalem, il a été reçu par Jacques. Et les anciens qui étaient avec lui, il n'y avait ni Pierre, ni aucun des apôtres de l'église de Jérusalem. Donc Pierre a commencé à perdre la force et Jacques a commencé à s'élever. Pourquoi? Parce que la nation d'Israël, les autorités d'Israël ne pouvaient pas accepter ce changement de la loi par la foi. Ma voix est en train de devenir rauque. Je vais lire avec vous Galates. Galates. Ça, n'est-ce pas? Oh Seigneur Jésus. Chapitre 3 Galates 3, chapitre 3.
Verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Frères et sœurs, je veux vous dire une chose. Je voulais vous lire tout cela afin de vous montrer que nous, l'Église, nous qui vivons ici sur terre, à cette époque d'aujourd'hui, nous ne sommes pas du siècle dernier, nous ne sommes pas un groupe d'aventuriers qui est apparu du milieu des groupes chrétiens. Nous avons une racine. Notre racine vient de Abraham. Car la racine de la foi vient d'Abraham. Vous saviez cela? Abraham a cru en Dieu et cela lui a été imputé à justice. Alors, frères et sœurs, nous ne sommes pas un mouvement qui a commencé le siècle dernier. Nous appartenons à cette racine qui n'est pas terrestre, c'est une racine céleste qui a commencé avec Abraham par la foi. Et cette foi s'est réalisée à la venue de Christ. Lorsque Christ est venu, la foi s'est réalisée. Et officiellement, l'Église a été engendrée pour accomplir l'œuvre de Dieu en accomplissant le ministère de la Nouvelle Alliance qui lui a été donné comme charge. Et ça a commencé à la Pentecôte. Et nous avons commencé à la Pentecôte. Donc, nous ne sommes pas un mouvement qui a commencé avec Watch Money ou Witness Lee. Nous avons commencé depuis la racine à Abraham et nous avons commencé le jour de la Pentecôte. Je voudrais que cela soit clair. Nous ne sommes pas jeunes ou avec peu d'âge, mais où nous piétinons, c'est solide. Nous avons commencé avec le jour de la Pentecôte. Et plus loin encore, la foi a commencé avec Abraham. Et cette racine, c'est la racine de la bonne, du bon raisin. Donc, c'est les prémices de la masse. Car ça a été lié, Abraham était lié à Dieu. Donc, plus une civilisation ancienne, plus le peuple est inébranlable. Donc, si vous faites partie d'une nouvelle civilisation, qui des années 1500, ça veut dire que vous avez peu de racines. Mais spirituellement, frères et sœurs, nous avons une racine très solide. Nous ne sommes pas des aventuriers qui sont apparus il y a un siècle ou quelque temps. Non, nous avons une racine solide dans les cieux et nous avons le début en Jérusalem, le jour de la Pentecôte. Vous croyez en cela ou non? Tout ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, frères et sœurs, fait partie de votre histoire. Cela fait partie de mon histoire. Pierre était le premier apôtre, notre premier apôtre. Il est des nôtres. Il est notre apôtre, n'est-ce pas? Maintenant, je voulais lire le chapitre 3 de Galates. On a encore le temps, n'est-ce pas? Or, l'Écriture qui a prévu que Dieu allait justifier par la foi les païens qui a été annoncé à Abraham, en toi seront bénis tous les peuples, de manière que ceux de la foi sont bénis avec Abraham le croyant. Frères et sœurs, nous avons cette racine.
Abraham a cru en Dieu, cela lui a été imputé à justice. Et à travers la promesse qui a été faite à Abraham, nous avons été bénis. Car Dieu a annoncé d'avance l'évangile à Abraham, car il allait justifier par la foi les païens. Todos quantos pois são da lei, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Donc ceux qui sont sous la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il a pris donc la coupe de la malédiction et nous a donné sa bénédiction, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Ça, c'est la bénédiction d'Abraham. C'est pour cela que je vous dis que notre racine est en Abraham. Aujourd'hui, nous recevons la bénédiction, nous recevons la promesse qui est l'Esprit promis à Abraham. Et cette promesse, verset 15, « Frère, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. » Donc, cette alliance que Dieu a établie, c'est une alliance perpétuelle. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc, cette promesse a été faite à Abraham et à Christ. Abraham a été préannoncé. Abraham a été préannoncé. On lui a préannoncé l'évangile de ce que les païens seraient justifiés par la foi. Et cela allait s'accomplir. Comment? C'est-à-dire que tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur seront sauvés à partir de Christ. Donc, cette promesse a été faite à Abraham et à Christ. Alors, je vais vous dire une chose. Verset 17. Voici ce que j'entends, une disposition que Dieu a confirmée antérieurement. La loi est venue combien de temps plus tard? La loi est venue 430 ans après. Le cantèrement et ne peut pas annuler, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 400 ans plus tard. Donc 430 ans plus tard, avant l'établissement, la promulgation de la loi de Moïse, la promesse a été faite. Donc notre racine est avec Abraham depuis 7 ans. Depuis tout ce temps, la loi est venue 430 ans plus tard. Et il a été nécessaire que Dieu envoie la loi. Pourquoi? Allons au verset 23. Avant que la loi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée, afin que la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Je ne sais pas si vous avez compris cela, frères et sœurs. Dieu a libéré son peuple d'Égypte plusieurs années après Abraham. Donc, ce peuple est allé en Égypte. Ils ont commencé à oublier Dieu
car ils vivaient une vie aisée en Égypte, une terre de beaucoup qui a beaucoup d'abondance. Et subitement, un pharaon qui ne connaissait pas Joseph a commencé à opprimer et à faire le peuple esclave. Le peuple a clamé vers le Seigneur et il a sollicité Moïse pour libérer le peuple. Alors au désert, dans le mont Sinaï, on va aller dans Exode 19. On a le temps pour lire, n'est-ce pas? Exode 19. Verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Ce sont les paroles qui ont été dites aux fils d'Israël. Dieu lui-même a libéré ce peuple d'Égypte et Dieu voulait un peuple propre à lui. Et Dieu a établi un système de gouvernance d'une nation inédite sur la terre. Ce n'était pas ni la démocratie, c'était ni la démocratie ni la dictature, mais la théocratie, c'est-à-dire Dieu qui gouverne ce peuple. Pour la première fois dans l'histoire, il y avait une nation qui était gouvernée par Dieu, la théocratie. Alors, quelle serait la constitution qui allait régir ce peuple, cette nation? C'était donc la loi de Moïse, dont Dieu a donné les 10 commandements et les lois qui ont suivi. Donc, en résumé, la loi de Moïse. Bon, Dieu a établi lui-même une nation, il a établi le gouvernement de cette nation qui est la théocratie et il a institué comme constitution la loi de Moïse. Donc tout cela a été fait par Dieu. Cependant, ce peuple qui vivait sous cette loi, qui avait la loi comme sa constitution, devait se préparer de ce qu'un jour il devait se convertir. Lorsque Christ viendrait, cette loi qui servait de pédagogue, de tuteur, allait perdre sa fonction et ne devrait plus avoir sa fonction lorsque Christ allait venir. Lorsque Christ viendrait, ils seraient plus soumis à la loi. Donc, à partir de ce moment-là, ils allaient appartenir à Christ. Mais pour une nation, un tel changement est difficile. Vous imaginez les autorités, si les autorités juives étaient d'accord avec Pierre disant « Tu as raison, nous ne devons plus pratiquer la loi, nous devons suivre Christ », comment serait cette nation? D'un jour à l'autre, ils perdraient leur constitution, qui est celle d'une nation. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, c'était quelque chose d'impossible. C'est pour cela que les autorités d'Israël ne parvenaient pas à accepter cela. Alors, ils ont persécuté tous ceux qui étaient derrière cette révolution, ceux qui voulaient détruire une nation, qui voulaient annuler sa constitution. C'est pour cela que Dieu avait déjà prévu que la nation d'Israël n'allait pas accepter. Alors Jésus serait une pierre d'attroupement, une pierre de scandale. Ils allaient rejeter Jésus comme nation et ouvrir la porte. La porte allait s'ouvrir aux païens, la porte du salut. Certaines branches de la bonne vigne allaient être arrachées parce qu'ils n'ont pas accepté ce changement. Et nous qui étions de la vigne sauvage, nous avons été greffés sur la bonne vigne jusqu'à ce que le nombre puisse se compléter, le nombre de païens. Alors, arrivé à la fin,
Il viendrait un moment où le restant des Juifs vont reconnaître que Jésus-Christ est le Seigneur. Et le restant des Juifs sera sauvé. Vous croyez en cela? Et lorsque l'Esprit Saint, qui a commencé d'une manière merveilleuse le jour de la Pentecôte en Jérusalem, arrivé dans Actes chapitre 8, il y a eu une grande persécution, frères et sœurs. Alors, l'empêchement a commencé car cette ligne du ministère a rencontré en face un mur. Et l'Esprit Saint ne peut pas s'arrêter avec son esprit. Donc, à la même heure, au même moment, pardon, au chapitre 9, Dieu prépare un homme. Dieu prépare Saul. La conversion de Saul a commencé au chapitre 9 sur le chemin de Damas pour arrêter ceux qui invoquaient le nom du Seigneur pour les ramener liés à Jérusalem. C'est alors que une grande lumière est apparue et Paul a eu une rencontre avec Jésus et ce Saul a été sauvé. Il est devenu un vase choisi pour amener l'Évangile aux païens, car les Juifs, au milieu des Juifs, l'Esprit Saint n'avait plus de liberté. Alors, ce même Esprit Saint a préparé au chapitre 9, Saul, mais au chapitre 10, Dieu a encore utilisé Pierre afin d'ouvrir la porte du salut aux païens. Et dans la maison de Corneille, alléluia, il a ouvert une porte aux païens. Le même Esprit Saint qui était descendu à Jérusalem est descendu aussi dans la maison de Corneille sur les païens, car Pierre avait encore une résistance de ce que Dieu voulait aussi convertir les païens. Mais après la vision qu'il a eue du grand drap, il n'avait plus de doute, il est allé là, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été utilisé afin que l'Esprit Saint puisse aussi descendre sur les païens. Frères et sœurs, se basant sur cela, nous avons aussi reçu l'Esprit Saint le jour de notre baptême dans la maison de Corneille. Et Pierre est retourné à Jérusalem. Et sur le chemin, ceux de la circoncision lui ont dit, mais comment tu es entré dans la maison d'un incirconcis et tu as mangé avec eux? Tu ne peux pas faire cela. Alors, Pierre devait donc s'expliquer en disant que c'est Dieu qui a fait cela. Vous vous rendez compte donc de la pression qu'il y avait à Jérusalem? Alors, au chapitre 11, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Chapitre 11 de Actes des Apôtres, je suis en train de terminer, n'est-ce pas? Ayez un peu de patience. Chapitre 11. On va y jeter un coup d'œil. Chapitre 11. Ceux qui ont été dispersés de la grande persécution de Jérusalem sont sortis pour prêcher l'Évangile partout. Ils prêchaient aux Juifs, mais Dieu, lui, voulait atteindre les païens. Alors, certains, sans le savoir, ont prêché. Chapitre 11, verset 20. Donc, certains qui étaient de Chypre et de Cyrène, qui ont allé jusqu'à Antioche, ont parlé aux Grecs, annonçant l'Évangile du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Alors, une nouvelle église a été établie, une église forte des païens qui est à Antioche, en Syrie. Alléluia! L'Esprit Saint ne pouvait plus continuer parmi les Juifs
Alors, l'Esprit Saint est allé à Antioche. Et Antioche, le ministère de la Nouvelle Alliance a continué. Donc, frères et sœurs, nous ne pouvons pas dire que nous sommes de la ligne de Jérusalem ou d'Antioche. Non, nous sommes dans cette unique ligne ministérielle qui a commencé le jour de la Pentecôte et qui, passant par la maison de Corneille, où nous avons été insérés, et cette ligne ministérielle a continué à Antioche, à travers le ministère de Paul que je vais évoquer demain. Amen. Donc, vous devez savoir qui vous êtes. Où vous êtes? Quel est ce ministère de la Nouvelle Alliance que Dieu nous a donné? Frères et sœurs, nous devons nous sentir très solides. Nous devons nous sentir sûrs de nous. Nous n'avons pas commencé hier. Nous avons commencé depuis Abraham. Nous avons commencé depuis le jour de la Pentecôte. Nous sommes dans cette ligne, nous sommes insérés dans cette ligne ministérielle. Que nous soyons, n'est-ce pas, que Dieu, que nous soyons ceux qui vont terminer cette ligne ministérielle, ramenant le royaume de Dieu sur terre, accomplissant la volonté de Dieu, Christ étant le chef de toutes choses, remettant à Dieu le royaume ici sur terre. Jésus est le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne l'entendement pour comprendre cela.